Depuis que notre rencontre fut le commencement d'une belle histoire d'amour plein de sentiments, les mots que j'ai assemblés se dispersent doucement, à quiconque pouvant toucher la vérité que je renferme, tels des pétales auxquels j'y tiens ferme. Je suis sûr que c'est le grand barbu qui organisa notre rencontre. Savais-tu que dès le premier jour, mon sang, lui, il a bouillonné par contre. Tout de suite, je me suis dit que de notre relation, vous ne serez pas contre. Bien que j'ai eu des doutes les lendemains, mais nous, on voulait tellement faire notre bout de chemin. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains. Venons ici vous faire la vue de ma rencontre avec bonjour. Quelqu'un. Bonjour. Du fait qu'avec elle, je ne forme qu'un. Ok, DDS, c'est Landry David Bambara, à l'état civil, né à Bobo-Dioulasso et grandi là-bas. Et j'ai commencé en fait, avec le théâtre, la danse. En fait, pour ensuite me retrouver dans le rap, qui je veux, et puis même partager après j'ai embrassé la carrière de cela. Faire des confessions sincèrement, voilà. Que je vous livrerai comment tu as voulu à basculer de la danse au slam? Oh, je dois dire que j'ai commencé la danse avec le mouvement Contestat qui se déroule en Bobo. À ce moment, j'étais au lycée national de Bobo. J'ai commencé avec ça et jusqu'à aujourd'hui même, je suis toujours dans la danse. Je n'ai pas quitté en tant que tel. C'est juste que le slam est devenu plus... C'est-à-dire on me connaît plus en tant que slammer que danseur. Sinon, je danse toujours. Et maintenant, je suis entré dans la comédie parce que j'aimais voir les Ongo et Tao et puis comme j'aime regarder les films. Et j'aimais bon, les acteurs américains comme Jason Statham et autres. Donc, c'est par force de regarder les films que je suis entré dans la comédie et que voilà, je suis... Elle est un point de forme spectaculaire. Ceux qui ne le savent pas, Didier pousse toujours ses études. Alors dis-nous, comment tu arrives à concilier les cahiers et le slam? Pour concilier les cahiers avec le slam, je dirais tout simplement que DDS se concentre sur l'inspiration. C'est-à-dire lorsque je suis inspiré par une phrase, un mot, voilà, de là peut venir tout un texte. Voilà, donc je m'inspire souvent aussi du proverbe pour écrire. Maintenant, la conciliation des deux, c'est que souvent aussi, comme je travaille un peu tard aussi dans la vie, donc j'essaie de mettre les deux sur pied en ce moment. Je me tiens face à toi, l'Éternel, la main levée, le cœur en peine pour les entrailles enchaînées, dont les cris se perdent en souffle du désert. La consolation se meurt dans les pleurs du cœur, qui se courbe sous le poids des regards extérieurs, qui juge la plante qui n'a point donné de fruits quand la chair à la chair donne la vie. Ève acquiert sa plus grande vertu, mais ses autres purs font mourir son espoir. Alors si sur toi, ô grand barbu, je forge mon espoir, c'est avec l'espoir que tu entendes ma voix. Oui, c'est un album de 12 titres que j'ai réalisé. La conférence de presse a été faite le 18 mai 2017, au siège même de ISPP. Puisque étant donné que la fondatrice de ISPP m'a beaucoup aidé dans la réalisation de l'album. DDS, quelles sont les thématiques abordées dans ton album? Je dirais que DDS parle assez choses concernant la conscientisation de la jeune génération, notamment sur les armes légères, la prolifération des armes légères qui sévissent avec la jeune génération montante, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et je traite aussi, je parle un peu de mon pays, en quelque sorte. Et surtout, je parle de Dieu, comme DDS, c'est un protestant pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Ok, bon, tout d'abord, je les remercie pour ce qu'ils m'ont adopté. Ils ont aimé ce que je fais comme travail et chaque fois ils ne cessent de me le dire parce que souvent je reçois des messages disant que voilà frère DDS, ce que tu fais c'est un bon travail, j'aime là
Donc, je les remercie beaucoup pour ces encouragements qu'ils me donnent aussi. Parce qu'ils me disent chaque fois, il faut avancer, continuer d'avancer, persévère et un jour tu verras que tout ira bien. Donc, je les remercie pour ces encouragements car c'est ça qui m'aide à avancer aujourd'hui. Voilà. Oh, grand barbu, entends ma voix. Pour la femme attristée, entends ma voix. Elle soupire, gémit et crie, entends ma voix. Pour la femme attristée, entends ma voix.